Salut à tous, c'est Bryce. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Fortnite. On devait se retrouver pour l'événement d'Halloween. Malheureusement, elle a été reportée à demain. Après, on a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà le trailer et on peut voir beaucoup des nouveaux skins qui vont arriver pour l'événement. Donc malheureusement, mise à jour demain, mais le trailer a quand même été balancé aujourd'hui. Donc on va pouvoir vous présenter un peu le contenu de l'événement Halloween. Et franchement, il y a des skins qui sont vraiment stylés. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BAYSANKA à la boutique, ça fait super plaisir. Voilà, donc comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, l'événement d'Halloween a été reporté à demain, donc samedi, pour espérer avoir du coup un événement Fortnitemare vraiment terrifiant. Ils sont obligés et désolés de retarder un peu la mise à jour, mais ça arrivera demain. Comme je vous l'ai dit aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà eu le trailer de cet événement où on voit pratiquement tous les skins qui vont arriver pendant l'événement d'Halloween 2024. Et franchement, il y a des petites surprises, vous allez voir, il y a des skins vraiment stylés. Donc je vous mets le trailer et ensuite on se retrouve, on analyse un peu tout ça et vous me donnerez vos avis dans les commentaires. Voilà donc le trailer qui nous annonce un peu l'ambiance de l'événement Halloween. J'ai fait des petites captures d'écran du trailer pour voir un peu les prochains skins et tout ce qui va arriver. Tout d'abord ici, on a le skin du loup-garou. Alors là, c'est un skin qui est dans le pass de combat Lego. Je vous affiche ici l'image à l'écran. Et quand on prend du coup l'espèce de voie rapide, donc le pass payant, on a le loup-garou en mode Lego. Mais on a aussi du coup le skin sur le Battle Royale. C'est le skin qu'on voit au début du trailer. Franchement, ils auraient pu faire un truc stylé. Ça me fait penser un peu au loup-garou qu'on avait sur GTA. Là, la tête, je la trouve un peu mal faite. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ensuite, pour aller avec le partenariat Disney, on a les méchants de Disney qui arrivent sur Fortnite. Avec Cruella ici à gauche. On a aussi Captain Crochet à droite et Wrestle du milieu. J'ai plus son nom. N'hésitez pas à me le mettre du coup dans les commentaires. On passe ensuite ici au skin qu'on avait déjà vu sur le premier petit teaser, mais aussi sur les leaks, Leatherface, donc Massacre à la tronçonneuse, avec, je vous remets le petit clip, une attaque avec la tronçonneuse qui est quand même plutôt stylée, à voir ce que ça donne in-game et quand on va l'utiliser. Mais le petit move, je le trouve plutôt stylé. Ensuite, ici, on a du coup Venom et chez Venom, donc on aura une meilleure image à la fin du trailer qu'on reverra ensemble. Mais franchement, petite surprise, celui-là, on ne l'avait pas vu arriver. Ensuite, ici, on a du coup, à gauche, elle aussi, j'ai plus vraiment son nom, mais elle vient du coup de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et le skin citrouille, qui lui aussi avait été leak il y a déjà quelques jours. Ici, on a, toujours pour aller avec Disney, Edouard aux mains d'argent. Bon, ça vous parle peut-être pas, vrai, je crois que j'ai pas vu le dessin animé ou quoi. Si vous, oui, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et ça vous fait plaisir qu'il débarque du coup sur Fortnite, mais c'est pas le plus sympa qu'on a pu voir dans le trailer. Ici, du coup, alors Jinxo qui est déjà dans la boutique Fortnite. Mais on va retrouver du coup les petites bombes qui vont cibler les joueurs. Ça aussi, on vous en avait déjà parlé il y a quelques jours. Ça devrait arriver. Une ambiance assez sombre avec normalement toute la couleur verte qu'on avait au niveau de River Styx. Tout le vert va tourner en rouge pour l'arrivée de Mephisto. Qu'on a vu aussi, alors on ne le voit pas dans ce trailer si je dis pas de conneries. Mais on l'a vu du coup dans le petit trailer teaser qui était sorti hier ou avant-hier. Je vais vous le remettre rapidement. Là aussi, du coup, on voit quelques skins de l'événement Fortnitemare. Et surtout, on voit Mephisto qu'on ne voit pas dans ce trailer.
Ici, on a une petite vue du coup sur la sorcière Alexa, qu'on a vu sur le petit trailer que je viens de vous mettre. Et à droite, là aussi, petite surprise, petite nouveauté, on a un nouveau skin Ghoul qui arrive. C'est le skin Penny du mode Sauver le Monde qui arrive pour l'événement en mode zombie, en mode Ghoul. Donc elle aussi, petite surprise, on n'avait aucun leak sur ce skin. Je vous avais dit, au moment où on allait avoir la mise à jour, alors elle est reportée à demain, mais on a bien le trailer. Et c'était sûr qu'on allait avoir des petites surprises. Et je vous remets du coup Venom et She-Venom qui est juste là. Franchement, je les trouve vachement stylés. Surtout celui de gauche en violet avec les éclairs en bleu comme ça. Juste magnifique. Donc à voir quand est-ce que ça va arriver dans la boutique. Les prix aussi, on sait qu'au niveau des V-Bucks, ça commence à faire cher que dans la boutique qui affiche 46 pages. Mais franchement, je trouve que pour l'événement là d'Halloween, ils ont fait fort. Il y a pas mal de beaux skins. Donc là, c'est toutes les nouveautés qu'on a pu découvrir sur le trailer. Il y a aussi pas mal de choses qu'on n'a pas parlé et qui vont revenir, hein, comme le balai de sorcière, le lance-citrouille, tous les items qu'on a l'habitude de revoir pendant les événements Fortnite Nightmare. Et je pense que demain, quand on aura la mise à jour, on aura encore quelques petites surprises que Fortnite nous a pas encore dévoilées. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cet événement va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde. I will prevail, I will devour.